Alors l'importance de la rencontre de ce soir, elle est même capitale, voire vitale pour le club, puisque si on gagne, on est sûr d'être maintenu. Et alors qu'en cas de défaite, ça dépendra évidemment du résultat du match de Le Havre contre Quimper. Si Quimper gagne au Havre, on serait maintenu. Mais je pense qu'il vaut mieux pas envisager cette possibilité et que le plus sage, c'est de gagner directement. Comment l'équipe en est arrivée là, selon vous, cette saison? Alors, il y a eu beaucoup de malchance, puisque beaucoup de blessés. Après, il se trouve que quand même, il y a des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire, puisqu'il y a quand même eu deux joueurs américains qui ont été remerciés. Donc, très difficile d'avoir une très bonne cohésion d'équipe. Les joueurs les plus emblématiques du club, comme Pierre-Yves Guillard et Arnaud Tidon, évidemment, vont tout faire pour sauver le club. Mais on a eu une saison très compliquée. Nous, supporters, on a tout fait pour les supporter jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'intérêt pour nous, c'est d'être toujours derrière notre équipe. Mais c'est vrai que parfois, il y a eu des moments d'incompréhension. Alors le rôle des Pictagoules, c'est d'animer et d'encourager au maximum de la première seconde jusqu'à la dernière seconde l'équipe et de faire en sorte que grâce à notre soutien, l'équipe gagne et qu'on puisse se maintenir grâce à ça.